I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement le nettoyage et l'organisation de mon frigo. Cette vidéo m'a été demandée il y a très longtemps, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais fait cette vidéo. Si vous me posez la question pourquoi j'ai jamais fait, je ne saurais vraiment pas vous répondre. Étant donné que chez moi, en ce moment, franchement, je suis en train de remonter la pente par rapport à au nettoyage. Parce que comme je vous ai dit, hein, il y a quelques temps, je ne faisais pas grand chose, mais aujourd'hui je me suis dit bon, ça y est, je vais m'attaquer à mon frigo. Mais attention, cela ne veut pas dire que je nettoie pas mon frigo pendant tout ce temps. Je nettoie vite fait, donc c'est à dire que tous les deux jours, trois jours, je passe juste un coup de chiffon pour que ça soit quand même un petit peu propre, parce que c'est très important de nettoyer son frigo quotidiennement. Mais franchement, le grand nettoyage de mon frigo, ça fait quand même un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, je me suis dit je vais m'attaquer à ça. Et comme moi je fais mes courses toutes les quinzaines, et là on est déjà je crois les 12, il me reste 2-3 jours pour aller refaire les courses du mois. Je me suis dit c'est bien de le faire maintenant, étant donné que mon frigo il est presque à moitié vide. Comme ça, ça serait plus facile pour le nettoyage. Et mais juste avant de vous laisser avec les images, je vais vous montrer le produit avec lequel moi je nettoie mon frigo. Donc moi je nettoie mon frigo que avec ce produit. C'est un dégraissant à la base de savon de Marseille. Donc il est très bien, il désinfecte très très bien et il combat bien les petites bactéries dans le frigo. Donc je nettoie que avec ça, parce que c'est pas bien d'utiliser beaucoup de produits chimiques qui seront en contact avec la nourriture. Donc il faut vraiment éviter. Mais moi j'utilise que ce produit là. Je le dilue dans un saladier. Donc je remplis le saladier avec de l'eau chaude et je mets un petit peu le dégraissant. C'est vraiment bien pour désinfecter mon frigo. Et je fais ça avec un chiffon microfibre. C'est tout ce que j'utilise pour le nettoyage de mon frigo. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Let's go! On our shoulders, I know this can't be it for us. We're still so young. We say we're growing older. Got weights upon our shoulders. I know this can't be it for us. We're still so young. I'm still so on our shoulders. I know this can't be it for us.
Après avoir bien nettoyé partout, je vais maintenant essuyer le frigo avec de l'eau chaude, donc de l'eau propre. Je vais essuyer avec le chiffon microfibre pour essayer vraiment d'enlever tout le reste du produit pour vraiment que le frigo soit bien propre. We're growing older, got each other on our shoulders. I know this can't be it for us. We're still so young. We say we're growing older, got each other on our shoulders. I know this can't be it.
Alors les filles, je voulais rapidement vous présenter mon organisation concernant tout ce qui est charcuterie. Lorsque j'ouvre un paquet de salami comme ça, je ne le laisse pas dans le paquet parce que c'est vraiment pas hygiénique, c'est pas très 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 bien pour la santé. Donc du coup j'ai des petits bacs comme ça que je range tout ce qui est charcuterie. Alors je vais rapidement vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Donc là j'ai du jambon. Donc quand j'ouvre un paquet de jambon comme ceci, donc je les mets directement là-dedans. Et bah voilà, et on se sert là-dedans. Une fois que c'est terminé, on ouvre un autre paquet et on met dedans. Et là, j'ai du salami. Donc, c'est ce paquet comme ce paquet-là. Donc, je vais aussi les mettre parce qu'il n'y en a presque plus. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais. Voilà, et ensuite, ici. Après, j'ai des saucisses. Donc, quand j'ouvre un paquet de saucisses comme ceci, donc je les mets directement là-dedans et on se sert ici. Parce que ce n'est pas très, très bien de laisser les paquets comme ça ouverts. Non seulement ça sèche l'aliment, mais c'est vraiment pas du tout bien pour la santé. Donc, voilà comment moi j'ai des petites astuces comme ça. Et c'est très bien conservé et c'est très bien pour la santé tout simplement. Et des petits bacs comme ça, vous pouvez en trouver. Moi, celui-là, j'ai acheté à la Migros. C'est un supermarché suisse, mais franchement, vous pouvez aussi en trouver des similaires chez Action, par exemple, ou chez Carrefour, ou peut-être chez Jiffy, je ne sais pas, essayez voir. Et c'est des bacs assez faciles à trouver. Et ensuite, là-dedans, je mets du fromage râpé. Hein. Pareil, quand j'ouvre un paquet comme ça de fromage râpé, ben, je laisse pas le paquet je laisse pas le paquet ouvert. Quoique, vous pouvez toujours fermer avec ce genre de truc-là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, on peut toujours fermer comme ça. Mais moi, j'aime pas laisser des bouts de sachets partout dans le frigo. Et du coup, dès que j'ouvre un paquet de fromage râpé, hop, je le mets dedans. Voilà, comme ça on a du fromage à portée de main et c'est voilà, et c'est très 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 bien conservé. Et dans un autre petit bol, je mets tout ce qui est fondu, vache qui rit, tous ces petits fromages là. Donc voilà. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais oui, partagez les filles. Si ça vous plaît, certainement ça pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Alors n'hésitez pas à partager. Et si tu es nouvelle, abonne-toi. Mais juste là, n'hésite pas à t'abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!